Allô Julie, c'est Marc. Je vais faire des commentaires en analyse du design pour toi. J'ai vu la vidéo de le premier spectacle à Longueuil et j'ai reçu la vidéo pour le deuxième, donc je vais faire mes commentaires avec la deuxième. On y va. Très bien terminé avec le pitch en dessous de la jambe. Peut-être à cause de la faute, j'ai pas bien entendu la musique pour vraiment utiliser la musicalité. Mais bien que entraînement le flux pour faire un saut comme ça, c'est à comprendre très bien les responsabilités pour faire ça. Félicitations pour montrer ça. Oui, ok. Oui. L'enchaînement, on a chaque élément, mais les autres membres, les autres sortes ajoutent, c'est bien qu'on comprenne comment faire les tensions et le staging. Et le fait que c'est très intéressant comment utiliser le fill-in et le pass-through ici ajoute un autre niveau de la composition. Oui, c'est cool. J'ajoute des flags. Juste à le moment où on a un cymbal crash. On utilise la trame sonore pour pousser, mais aussi on ajoute. C'est pas juste qu'on suit la trame sonore. On fait quelque chose d'autre que juste suivre. La phrase qui est le nombre de temps. Et encore la variété qu'on utilise avec des éléments. C'est pas toujours qu'on a fait des arbres en ligne, des carabines on a fait en Windows. Donc encore la condition de variété qu'on utilise l'espace. C'est varié, donc les aliments qu'on utilise, c'est varié. Donc, ça démontre une certaine compréhension et aussi, pas juste une compréhension, une réflexion et une logique et dans qu'est-ce qu'on fait avec la composition. On va voir qu'est-ce que ça passe avec mon ordi. Avec un multi-focus et les trois éléments ne sont pas en fonction, chacun a le space et le place, puis on revient ensemble avec les deux pitches. Un peu de chaos, bien entendu voulu pour terminer. J'avais très bien compris le déroulement de tout jusqu'à cette séquence-là. On fait du body, je pense que c'est un petit peu tambour à main qui joue en dessous. Et quand le flag rouge sort, je suis pas sûr que le focus est clair et votre intention de le développement. Comment le body va diminuer et le flag va reprendre sa place
pour ça. C'est quelque chose peut-être on pourrait regarder, que peut-être j'ai pas bien compris, ou peut-être c'est pas bien expliqué par la condition ou les jeunes dans le niveau d'excellence. OK. Oui. Encore là, la logique et les réflexions pour atteindre une séquence comme ça avec l'ensemble, diminuer, devenir ensemble, c'est un complément que je vous fais pour ça. Mais quand je regarde ça, j'ai pas senti à l'intérieur, si je ferme mes oreilles et je regarde qu'est-ce qui se passe seulement visuellement, je comprends, mais je ne sens pas le suivi, le fil conducteur qui pousse cette séquence-là. Surtout quand on arrive avec le petit gang de, je pense que c'est 4 ou 6. À ma droite, stage left, jusqu'à le temps qu'ils poussent, puis on revient ensemble. Pourquoi on fait débarquer chaque fille pour planter, faire un park and blow un petit peu avec les 6 filles ici pour bouger encore, pour revenir ensemble et pour faire notre crescendo jusqu'à la fin? Donc, j'ai pas senti le, comme j'ai dit, le fil conducteur, en GE, on va en parler, le contour dramatique, de cette séquence-là pour arriver à votre fin. Donc, c'est peut-être, encore là, comme j'ai dit, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas bien expliqué par la performance, niveau d'excellence des membres, ou peut-être c'est quelque chose dans la composition, qu'on n'a pas eu cette. On n'a pas eu assez de temps pour finir. Mais très bon spectacle, Julie. Je te félicite. Et toi et votre équipe, continuez à travailler sur le niveau d'excellence de vos membres. Parce que je n'ai pas parlé leur rendement ensemble. Parce que je vois que à part quand on fait juste du body, quand on fait l'équipement et body ou staging ensemble, le niveau d'excellence d'ensemble diminue parce qu'on a besoin de mettre beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie sur le rendement de notre chorégraphie, sur les habiletés nécessaires pour rendre ça facile à comprendre. Continuez à entraîner vos jeunes et travailler sur leurs habiletés. Encore félicitations et à bientôt.